Salut! Avant que la vidéo commence, j'ai trois choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. La deuxième, c'est que si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider à financer certaines invocations. Pour ça, PayPal ou tout simplement le bouton rejoindre sur YouTube sont disponibles. Et dernière chose, concernant les lives, ils seront désormais annoncés uniquement sur Discord. Voilà voilà, bonne vidéo! Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour le cinquième épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Let's go! Je l'ai passé, alors c'était encore un peu chaud, genre je comprends pas, c'est que... J'ai pas beaucoup de PV en fait. C'est bizarre. J'ai pas beaucoup de PV, genre mes points de vie, et ça remonte pas mes points de vie, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Enfin bon. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le-lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Aïe. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé, c'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kyotve et mettre fin à ce conflit. Oh mon dieu! Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Nous avons cause commune, nous n'avons pas besoin de tes hommes. Quel est ton intérêt? Le 1, allez. Tout homme désirant la fin de Kyotve est mon ami. Voilà. Nous te remercions. Autant s'en faire un allié. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? Ouais. D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kyotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kyotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons au dieu la tête de Kyotve. Oh, mon frère. Mon frère. Trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kyotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras. Mais non! Il te revient. J'apporterai le coup fatal? Oh mon dieu! Oh. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Ok, très très bien. Alors, un destin cruel. Go! Go, go, go. 80... Réveil mouvementé, on l'a fini. Ça, c'est bien. Mais du coup, ouais, c'est... Bizarre ça, ma santé, elle recharge pas. Pourquoi ma santé ne recharge pas? Nouveau lieu, Florli. Parfait, parfait. Enfin, si elle recharge, mais difficilement. Y a pas de la bouffe?
Je commence à me demander parce que c'est un peu chiant. Je le cache pas que c'est un peu embêtant, mine de rien. Alors par contre, mon point, il est où? Il est tout en haut? Ah oui, il a l'air d'être en haut. Mais bon, c'est bien, on peut grimper avec Assassin. C'est quand même un avantage. C'est un bel avantage. Ok, salut les gars! Merde, salut les refs. Ah putain, il fallait monter par là. Oh là là, je me suis emmerdé la vie. C'est terrible. Le campement avancé de Kyoto ouais. A fondu comme neige. Mais non. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. Oh my god! C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Ah. Laquelle? Kaivor puisse défier Kyotve aux portes de sa forteresse. Oui. Un combat singulier jusqu'à la mort. Tel est notre credo. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Kyotve a privé mon père de son honneur. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est le fameux. Ah oui, c'est lui, du coup. Ah, c'est lui au début, du coup on va enfin le tuer. Ah bah il était temps. L'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Et puis de toute façon, si on meurt, notre frère il prend le relais. Voilà. Oui, faut tuer Kov. Attends. Kyov. J'arrive pas à le dire. Il faut plus de temps. Non, vas-y, on va le tuer direct, on y va. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés. Oui. Cold. Et oui. Tranchera le fil du destin de Kyotve. Bien dit, mon scald de guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Vasim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Un clan. Bon, en tout cas, c'est pas mal, hein, leur tenue. Je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais sympa, hein, leur tenue d'assassin, là. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyotve meure. Évidemment. Sur ce point, nous sommes. Il va mourir aujourd'hui. Yes. C'est parti. Ah là 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 là, ça va être stylé. Bon, nouvelle bataille. Alors ouais, ça va être chiant. Hein. Le problème de ne pas heal, ça va être vraiment embêtant en fait. Ça va être vraiment compliqué. Guerrier du Nord. Ah le voilà. Fils de chienne. Comme un voleur nocturne. Viens m'affronter. Ce combat me revient. Kyotve. Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups. Ah, ça va être vraiment un 1v1! Ah ouais! Putain, on est en mode arène en fait. On est en mode gladiateur là, c'est terminé. Allez, let's go, les amis. Le battle. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Quoi? Je suis déjà mort. Waouh. Un quoi? Debout, Eivor.
Ah, c'était obligé de mourir. Ce n'est pas Odin. Incroyable. Quoi? Pourquoi refuses-tu de mourir? Ah ouais, donc je suis bel et bien mort. Mais j'étais forcé de mourir ou... Je crois que j'étais forcé de mourir. Ah, là le vrai combat a commencé. C'est vrai qu'il avait pas d'armes, je me disais. Ah, voilà. Le coup... Wow. Ah. Aïe. Ah ouais, non mais là j'ai fait le con. Tiens. Oh, il prend cher quand même. Ouf. Il m'a fait un Isparta de ces falcons là. Waouh, j'ai vu flou. Ah. Tiens. Waouh. J'esquive trop en vrai. Voilà ce que je lui ai mis. Je dois juste faire une décale. Bah j'en fais deux, fais chier. Oh ouais, vas-y. Tiens. Voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait ce bâtard? Quoi? Pardon. Et vas-y, comment il me porte comme un sac là? Wow. Vas-y, pour lui je fais 10 kilos quoi. Oh. Oh, c'est Basim. Ah non, c'est Etam. Merde. J'arrive. Je vais t'aider. Enfin, en même temps, pourquoi t'es venu m'aider, quoi? Je maîtrisais la situation. Tiens, attaque étourdissante. Mange ça. Ah, merde, il y a Mako qui... Quoi? Comment ça, je suis en faiblesse? Arrête, je le dominais, là. Encore Odin. Éveille-toi. Oh mon dieu. Éveille-moi. Je vais m'éveiller. Odin. Mon père spirituel. Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Ah, je l'ai tué. Ah, il ne faut rien faire face à Odin. Rien faire. Bim! Ton lâche de père et son sacrifice futile! Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de trois générations entières. Tout ça. Sympa, ça, une pousse en plante. Dingue. Ne sera pas oublié! Et mon Discord qui merde. J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Les ténèbres. Ah, un corbeau. Ok, on a gagné une pièce. Bah, c'est on l'a tué. Ok, bon, ça va. On a géré, les amis. Ça va. Franchement, au début, on était mal parti. Mais dès que je me suis dit, allez, je fais qu'une esquive, bon, voire deux partiellement, tu vois, au lieu de faire deux esquives tout le temps, ça va, tu vois. Vous êtes condamné. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm. Sa dette est payée. Eh oui. Ouvrez les portes, et vous serez épargné. Ah. Crève, ami des loups. Ok, toi t'es mort. Alors là, tue-le. On va le défoncer maintenant. Allez, c'est parti. Un bon gros coup de pied là.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Débrouiller la porte? Comment on la débrouille? Ouais. Ouais? Déverrouiller? Ah, la serrure pour être... Ah, d'accord! Ok. Mais par contre, gros... Pourquoi... Putain, vite, 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 vite. J'ai enterré un ennemi, là. Vite! Là! Vite! Ah! Voilà! Vas-y, on ouvre ça! Allez, les gars! Vite! Venez avec moi! Ah, elle s'ouvre comme ça, la porte. Oh, elle s'ouvre de manière dégueulasse! Déverrouiller la dernière porte. Ah, il y a encore une porte à déverrouiller. Ok, très bien. Je suis surpris que personne n'est venu aller me fight, mais ok, très bien. Ok. Alors. À l'attaque. Attention. Ta-ta-ta-tan. Wow. Ah, putain, c'est qui, lui? Un massacreur. Il m'a l'air coriace. Ça m'a l'air d'être un boss de Dark Souls, lui, au moins. C'est le minimum. Pour respecter cet adversaire, il faut que je le batte. Je dois le battre. Et boum! Le piétinage! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Oh, par contre, je vois rien. Je cache pas que là... Ma télé, il va vraiment falloir que je la règle. Hein. Pour Assassin's Creed, j'ai l'impression. C'est trop sombre pour moi. C'est terrible. Enfin, pour ma télé, du moins. Ah, putain, c'est... C'est de derrière. Alors par contre, comment on débrouille ça? Ah, attends, par là. Quoi? Ah oui, c'est vrai, toujours le problème, Eivor. Hein. Toujours le problème de... Non, par contre, là, tu vas me respecter, Eivor, s'il te plaît. Tu vas me respecter un petit peu. Hein, merci. Voilà. Ouf. Tiens, tiens. Mince. Boum! Ok. Aïe. Vite, ouvre cette porte de merde! C'est là, on me tire dessus. Je suis pas. Je suis pas serein. Ah putain, il y a encore une porte. Ah non, affronter Gorm! Vas-y, go affronter Gorm! Hein. Ne perdons pas de temps. Pas si je peux. Ok, il y a déjà des alliés, ça me rassure. Je pensais être vraiment le seul, mais solo du, tu vois. Voilà. Alors attention. À nous deux. Ah, par contre, je me suis pris une flèche. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Mais non. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Aïe. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Je vais venir te chercher, moi. Waouh. Ah non, le feu, grand ennemi de cet assassin, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le feu avec cet assassin, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Attends, où est-ce qu'il est? Ok. Bah, j'ai réussi à me barrer. Incroyable. Carré dans l'axe, j'ai envie de dire. Hein. Incroyable. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par deux fois, son père meurt aujourd'hui. Ah, nous allons avec toi. Bah parfait. Eivor, par contre, t'es devenu le bleu. Le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un champ. Nous avons gagné. Les Gorm ont pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain,
nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Ah, comme toujours. Bien sûr. Storm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Excellent, cette victoire, on est trop fort, les amis. On est trop fort. Non, il va pas se passer un drame là, je le sens. Ça pue le drame. Je sais, Sinine. Une autre fois. Ah, c'est qui Sinine? C'est le corbeau, non? Je pense. Enfin, c'est l'oiseau. Ouais, parce que je crois qu'on n'a pas un corbeau aussi. J'ai un doute. Comme animal de compagnie, on va dire. On a toujours un oiseau, donc j'imagine que c'est encore un oiseau. Un destin cruel, quête terminée. Ah. Oh putain, 1600! Droit de naissance, nouvelle quête. Ah. Ah bah. Ah, effectivement, appeler la monture sera nécessaire. Effectivement. Attends, on va regarder où c'est. Parce que là, ça n'augure rien de bon, là. C'est loin. Ah, chapitre 4! Putain, déjà? Oh, ça avance vite. Mine de rien, j'ai l'impression qu'on progresse bien, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on progresse bien. Bah écoutez, les amis, c'était sympa. Hein? Malheureusement, au sujet de la santé, je suis toujours dubitatif. Genre, toujours en mode, ça va pas le faire. Genre, niveau santé, ça va être chaud. Mais du coup, on peut utiliser ça déjà, résistance au corps à corps. Dégâts d'attaque légère. Ouais. Et ça, c'est discrétion. Ouais. Vas-y. Et après, c'est quoi, là? Voix de l'ours. Étourdissement. Santé. Ah, il faudrait atteindre la santé. Santé qu'il faut faire un ça. Permutation. On s'en fout. Dégâts puissants. Dégâts d'aptitude et ça. Et là, on sera bien. Là, on sera bien. Ah, étourdissement. Ah, c'est vrai qu'étourdissement, c'est intéressant, mine de rien, j'avoue. Après, c'est chiant, c'est ça, ça sert à rien, quoi. Discrétion, voix du corbeau, on s'en fout. Dégâts, évitement. Frappe dans le dos. Ah, empoisonnement. Oh. Oh. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Ah, ça, j'avoue, c'est intéressant, mais j'aimerais atteindre la santé avant, je pense. Avant, ça serait pas mal. Bon, bah les amis, merci à regarder cet épisode d'Assassin's Creed. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Allez, bye tout le monde!